Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable voter baou une nouvelle émission. Nous sommes le 26 juillet 2024. 26e jour dans le mois de juillet. Nous saluons tout le monde qui tout partout. Tchemberet Bamoli. Donc, on est vraie mission l'homme. C'est nous lever, nous charger avec problème et puis nous chercher à résoudre quelques nan yo. Des fois, on a un problème. Des fois, on a une dizaine de problèmes. Donc, chaque monde a vécu avec un problème. Peuple haïtien, les mêmes, ils ont le problème. Et puis, qui ça a fait? Qui ça a fait? Nous allons fouiller Zona Kalalou à travers cette émission. Alors, qui t'aime, dis-nous, concernant la commune de Gantier, beaucoup de gens m'appellent hier soir pour me dire, RL, est-ce que commissariat Gantier a Négo crasé li tout bon vrai. Eh bien, qui t'aime, dis-nous, est-ce que c'est bon dire? Parce que commissariat li démoli, oui. Commissariat Gantier démoli. Et écoutez bien, les bandits de 400 Marozo, yo même yo démoli à l'aide engin lourd. Commissariat police dans la commune Gantier dans journée jeudi 25 juillet 2024, là, d'après information qui a circulé. Après Koussa, agent la police nationale d'Haïti ensemble avec force armée d'Haïti intervenu dans après-midi jeudi. Yo arrivé repousser bandi yo. Et n'a rappelé. Dimanche 21 juillet dernier, groupe criminel si là te prend contrôle ville là et les arrivé chasser policiers qui étaient sous place dans commissariat et passé plusieurs temps policiers ça yo qui t'attendent renfort et renfort ça yo. Yo t'est arrivé bien tard. Depuis là ça pas gagné aucune intervention qui réalisé pour capable reprendre contrôle situation hein, au niveau de Gantier. C'est deuxième commissariat détruit par bandits depuis prise fonction Normil Rameau comme directeur général à IPNH. 1er juillet passé, même gang yo t'est déjà démoli commissariat Gressier. Nané ak bab autorité yo qui yo même pas jamais suspend scandé récréation fini. Ti moun pa al nan gendarme ou bien n'a pran pays kay pa kay, quartier pa quartier, ville pa ville. Donc ça c'est déclaration en pile gros autobré te fait dans l'état. Écoutez bien. Ou au courant que monsieur 400 Marozo yo fait une attaque au niveau de commissariat zone si là Gantier. Il y a un problème à régler entre l'homme en 100 jours, le chef du groupe des 400, ensemble avec la population. Parce que ouais, dans la dernière vidéo que l'IT fait au niveau de Gantier, il dit que Moun Gantier, sinon bat kono, 200 kadash. On va le comprendre rapide vite que y a un problème pour y régler. Mais écoutez, on n'est pas grand qu'un problème ou attaquer l'État. Tenez bien, oui. Mais l'on attaque l'État. C'est ça. M'bral dou comme si difficulté qui gagnait, comme si pour Negyo ou bien pour l'État accepter. M'étendu, monsieur Vivant Samyo, à travers question dialogue là. Tenez bien. Ou prenez 400 Marozo. 400 Marozo, just vini là, l'écrasé commissariat. Qui pas tapé un problème parce que l'État lui-même, il a assez de ressources. Il a assez de capacités. Léo fait une attaque sur lui pour lui répondre. Parce que lui-même, tout lui a une force de répression. Ou écrasé commissariat, ça c'est affaire qui gado. Parce que pas gagné la police. Mais l'État capable de répondre quand même. Ou installer quoi? Mais l'ensoute là, l'homme s'en joue. Ou tout y est de trois graines citoyens. Honnête. Qu'on y a son attaque ou fait et sous l'État et sous population. Qu'on y a un problème avec population. Comment on peut comprendre que, ça c'est, n'a pas dit ça de manière générale, l'homme s'en joue attaquer et population et structure l'État qui est dans la zone. Et puis, nous parler de dialogue. Qu'on y en a point que, comme si ça son couac. C'est comme si son logique taliban. On négocie et on pose des bombes. C'est pas normal. C'est pas normal. Comme si je ne dis à la, m'pas qu'on est, mais. M'a dit tête moi tout simplement ou bien pile mon a dit tête yo pourquoi nous a demandé dialogue
et puis grand pile côté là, coup de balle continue à chanter, population nan problème. Pendant ce temps, nous bat bravo, en pile monde bat bravo pour ça qui passé au niveau de Cité Soleil là, parce que grand paquet moun l'aime garder moi a baigner sous waf là. Moun sa yo tellement content parce que ça fait un pile temps, yo pas de qu'arriver à le plonger dans la mer sous waf. Est-ce que nous comprenons? Mais ça qui pas bon yo, nous obligé dire yo pas bon parce que ou pas cap mander au monde la paix et puis ou dire comme ça ah pas qui problème avant encore non et puis dans l'angélis ou veille pour vider balle sur lui son bail comme ça cap passer si ou mandé l'état dialogue où est le peuple dans tout ça ou pas comprendre non ou mandé l'état dialogue et peuple lui même qui sort deal ou mandé le dialogue tout mais pendant ou voyer balle sur lui en tout cas c'est pas normal m'ke chance tande Gary Conny et à travers yon émission, quoi nan Caraïbes. Alors, Premier ministre, il parlait sous deux radios. Il parlait sous Caraïbes, Radio-Télévision Caraïbes, et puis tout, il parlait sous Scoop. Alors, qui t'aime, dis-nous, sur les ondes de Caraïbes FM, hier jeudi, Premier ministre Gary Conny a annoncé que l'État a travaillé pour capable reprendre territoire qui sous contrôle. Gang armé yo. Posez des questions sur possibilité pour dialoguer avec gang yo. Attendez bien, oui. Premier ministre de facto a affirmé que l'État a concentré li sous reprise contrôle situation. Il reconnaît que ministère intérieur, dont les responsables, ferme porte li en raison violence gang yo. Premier ministre l'a souligné que objectif là c'est pas mener opération seulement. Pour agir, mais restaurer réellement autorité l'État. Semaine passée, hein, dans un message à la nation, il était annoncé des mesures strictes qui prend pour bataille contre insécurité. 8 jours plus tard, Gary Conny admet que il n'est pas capable d'accomplir miracle sa yo dans seulement 6 semaines. Ça nous est, peuple haïtien. Qui ça nous est? Et ça c'est ça le sous Caraïbes, mais une question qui t'est intéressée dans l'intervention sous Scoop. Quelle a été la question? Disons tout simplement que il y a des zones rouges. Étant donné que l'État pas qu'a fait une fixation simultanée, coordonnée, est-ce que les bataillons évidence pour que l'État commence à faire le premier pas? Ça veut dire pour ça qu'il y a là, en on dit zone sud là. Nous font concentration sous zone sud et bien nous dit n'a libéré zone sud nous concentrer toute force nous sous zone sud pour que ça nous pas dit que n'a concentré toute force nous sous quoi des bouquets. OK, on a dit n'a prend Delma, Gérald Bataille, Fleurio jusqu'à quoi des bouquets et puis axe routier ça nous libérer. Il y a un problème, c'est comme si le premier ministre il a botté en touche cette question pour dire que grand paquet de côté qui nécessite. Donc c'est pas seulement zone ça, mais écoutez, quand est-ce qu'on va faire le premier pas? C'est à quand? Mais pas ici. Film nan bel oui et pas grand politicien qui pas gen parole. Comme si quel que soit bonne question ou poser ou pas besoin de mauvaise réponse. Sinon yo capable botter en touche question ou poser. Mais si c'est pour espoir, chargez à espoir. Ou ap jwenn assurance. Et pourtant, dans les dires des autorités, eh bien, ou ap prête nan attente jusqu'à ce que yo pa la, kenkena yo fini, si yo président, mandat yo fini, si yo quelque soit sa yo ya. Ça veut dire, c'est pour me dire non que, et est-ce que gen espoir à entendre le premier ministre? Il y a de l'espoir. Mais et action yo? Qui l'est à poser? Qui l'est action yo à poser? C'est ça, oui. Pour nous poser tête comme question, Premier ministre, il parle bien. Faut nous vont côté tout pour nous, comme si Premier ministre a envie de dire que, il n'y a pas de baguette magique. Même si ça me dit deal, non, premier bagayo et Kounia. Piga, Premier ministre arrive en côté pour le bail. Barbecue. Raison, non? Barbecue dit, gon, PM qui t'est venu, un docteur pareil ou. Li courir, li bouquet, li pas ta souhaité ou bouquet PM. Donc, c'est ça que fait me dit
Feuilleton a tourné. Feuilleton lui-même li a pra possible. En passant, qui t'aime, dis-nous, il y a un certain de Gilson Fils, ancien magistrat commune Gantier, qui arrivait perdre la ville, 25 juillet 2024, là, vers une heure après-midi après bandit à Xam. T'es maltraité, pété gel. Faut me dire que dans la famille Gilson, seulement, eh bien, monsieur Saotouye, deux mouns, quoi, qui c'est Melchior Gilson, alias Tichal, qui te guette en mourir, joue attaque. Monsieur Sayo nan bouk gantier. Eh bien, le 25, c'est Mel Gilson qui lui même perdit la ville. Nous, ça m'a dit, nous, papa ici. Est-ce que nous comprenons? Donc, Kounia là, est-ce que Gantier pas en deuil? Qui est-ce qui recevra frappe là? L'ombre dit paraître non zone, l'hypote bourré, l'écrasé commissariat, l'étire sous moun. Qui est-ce qui recevra frappe là? Pendant ce temps, Mandi ça va le paraître demain, l'a dit. Et zone me la kaimen ouvert ou ka passé et bao qui est-ce qui pral passer m'a passé en robin des bois même pas jam passé en baboule figou c'est pas normal monsieur on est pas capable nous ça est-ce que population bon tout bagay si on égal voler un côté yo ballon bois calé ou pas capable gagner population zone ça rancune parce que son bois calé le prend en parce qu'on ti voler prend bois calé et puis comme si moun sa tout était dans cette obsession ou comme bandi. Comme tout bandit pas agi même gentou. Parce que nèg la depuis le père d'un soldat dit nèg la et si e vol ou tal volé avec gado. Ça ça fait pas ou. Vous comprenez? Mais grand pile nan bandit qui très rancunier, très 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 rancunier. Est-ce que vous comprenez? Qu'il y a la qui ça moun gante de gen gen avec nèg sa yo. Parce que ou vini pour prendre zone. Deux trois bandits qui prend bois calé. Qu'il y a moun mouri. Mais pendant moun y a mouri a camper dedans. Camper dedans. Mais gon l'autre bagaille tout oui. Yo ta vle camper dedans et yo pa pè rien mais kounya la l'état li même li pa exercer aucune pression faut le foncer de bagay la pour montrer nèg yo hey bagay yo pa douce pour nous mais j'a bagay yo a parti là mes amis enfin gon kon se ka parlé là dans la république depuis quelques jours là et cause ça m'ta capable di li fait débat OK c'est concernant trois conseillers présidentiels Adieu, regardez dans qui ça paye m'en tombe, monsieur. Eh bien, il y a trois conseillers présidentiels qui impliqués dans un scandale corruption. Conseiller présidentiel Emmanuel Versiller, Lu Gérald Agile, ensemble avec Smith Match Augustin, pardon, yo trempé dans un scandale corruption qui mettait en jeu plusieurs millions de gouttes. Alors que citoyens yo attendent pour une action qui visait mater gang armé. Loin, t'es capable préoccuper de situation population hein, qui prend en otage par groupe gang yo représentant petite Dessaline nan accord 21 décembre ak aidé abandonné entraînant logique chantage qui visait faire l'argent plusieurs millions et c'est dans direction générale yo et li promettre pour capable garder poste li tendez bien il a fait plusieurs millions les wap di moun yo. Eh bien, n'a pas quitté dans le poste. Vous comprenez bien, par exemple, directeur BNC, directeur l'autre côté, c'est l'agent qui a brassé. D'après sous proche, unité qui a bataillé contre corruption, trois conseillers présidentiels, ça yo, yo mette pression sous actuel directeur général Banque Nationale de Crédit, hein, Raoul Pierre-Louis, pour que lui décaisse 100 millions de gouttes en faveur yo, s'il voulait garder le poste là. Est-ce que nous avons qui ça paye après? Kounya la, Gary Pierre Paul Charles te fait yon réflexion, totalement d'accord avec elle. M'tou bagay. L'on conseil de nèg qui te sous béton là, de nèg qui t'a fait business yon en faillite, yon bagon good, qui passe tout le temps yon sous Jovenel à ton petit job, job pas jamais tombé. Mouda chire net. Ou e gen nèg là qui t'a l'an, depuis les investitures là, nèg yon te mande pile l'argent. Gen conseil te mande pile l'argent, oui. Pour être capable d'acheter rad seulement. Ouais, quantité toile qui nèg qui te mette dans investiture. Mais c'est vrai bagaille pour nèg ta crier et ri obligé ri. Regardez Haïti monsieur. Kounya la bon dit non bagaille peuple haïtien. En nou clair. Moun sa yo ki kote yo sorti, qui est-ce qui ba nou yo? Dites tout ça non. Qui kote yo sorti? Pas dans équipe Ti Claude s'il vous plaît. Et pas dans équipe Moïse. C'est pas ancien Lavalas. Bon. On pas faire personnalité, même qu'à citer non quelque parti politique.
bon petit petit de salit pito, bon petit aide pito. Kounya n'bal comprendre que nek sa yo, qui n'ta capable di technologique, mou da chire net, nek la gen doit besoin acheter un cigarette li pa ka achetel, et puis kounya l'orga de we, hey, bel job. Bon, sa kwa se, sa kwa l'passe, et la gen job za kounya, nek apral plein poche li, pe pa ici bon petit non bagay. Gele mwen même si m'ta nan l'état, yo tap manje m, rapide vite. Parce que au moins vini m'vini m t'ap al chercher fond bagay pour si peuple ta jwenn bagay. Bon, ou imagine ou ta nan mitan pile moun sa yo, comment on pral fè? Gen ki bon grenou? Gen ki bon grenou? Et pa bliye nèg sa yo ki teknologi ka delante. Yo ki te yo kase dan yo, Edgar Leblanc fils ki te yo kase dan yo. Kounya la, ou nèg sa yo, y a prêt tête à tête devant Gary Koni. Même les gars qui ont une intention pour le faire pas le tout, mais pas la pral plus professionnel. Li capable plus professionnel, comme ça tout, li gen doit pas faire. Mais écoutez, kounya, à qui est-ce que vous avez parlé? Le ou konne que ou son conseiller présidentiel qui t'a fait pression sous conseiller de directeur pour capable gen l'argent pour garder yon en poste. Nek sa ou dit pas gen avenir encore, animal nan mal li nan mal net. Donc si baga la kon sa, y a continué. Adelante lié, pas gen problème non? Et puis, pays a fonctionné. Ah, ok. Et ça, Haïti a. En tout cas, en entendant Maître Sonnet Saint-Louis, qui c'est avocat, il porte précision sur toi-même conseil présidentiel là, qui mêlé dans l'obéi ici là. Il y avait une demande de paiement et qui a été faite par trois conseillers du conseil présidentiel au président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, à savoir le conseiller Gilles, Emmanuel Vertilaire et Smith Augustin. Sur cette affaire, vous avez vu de grandes perversions, de grandes corruptions. Il y a une rencontre. Donc, une rencontre s'était déroulée entre le premier ministre Gary Koni et Raoul Kelly. Une rencontre au cours de laquelle il avait tout dit au premier ministre Gary Koni et il s'est fait ça avec en pile sincérité et sans complaisance. Et pour Raoul Pierre-Louis, qui est actuel président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, cette demande a été une attaque contre son intégrité morale, contre intégrité professionnelle. Et demande paiement ça qui te concerne, qui te gagne pour principal objectif, pour te garder posté comme président du conseil d'administration de cette institution, nous avons interprété le tout comme une demande pour mettre à sac les finances de l'État. C'est-à-dire provoquer la faillite de la Banque nationale de crédit. Et lorsque un droit commercial nous dit la faillite, mais le provoquer, donc l'Ivérie, banqueroute. Parce qu'en fait, normalement, des conseillers, on prend 100 millions de gourdes de caisses dans cette banque-là, il y a des bagailles. On prend. Premièrement, c'est que il attaque avec un peu d'outil moral, professionnel, président du conseil d'administration. Mais en même temps, c'est une invitation à mettre en faillite, ou du moins à provoquer la banqueroute de la Banque nationale de crédit. Ça veut dire qui ça? Qui bon? Président conseil d'administration après 100 millions de gouttes pour le conseil présidentiel. À moins que notre pays pense
pendant toute durée président nan tête DNC, on essaie pour aller prendre l'argent client yo, c'est pour aller prendre l'argent déposant yo ou du moins 100 millions de bouts de ça il était là pas bon monsieur ou bien il était non sac la calmi et puis il va dire prendre pour porter ba yo ou du moins yo met en tête yo bon corps na BNC et que nous pour aller compter 100 millions de bouts et qu'il porte ba yo Il y a deux situations, ça, Madame Bono. Nous sommes en face d'une situation qui est très affligeante. Une situation affligeante qui déprécie non seulement la gouvernance de ce pays, mais qui déprécie toute nation. À une époque, côté que le pays en entier est à bout de souffle, et à bout de tout. Parce que pas de quel monde aujourd'hui qui connaît à quel point se voué. Parce que nous sommes dans une situation de pauvreté extrême qui frappe toute couche en de pays. Maintenant, c'est le moment plus que jamais où nous avons fait appel à l'intégrité et à l'honnêteté dans la gestion de la chose publique. Et voilà. Moun qui a responsabilité pour gérer le bien commun avec probité, avec intégrité, et c'est eux-mêmes qui ont fait des demandes pour mettre PIA, pour mettre des finances PIA à part. Donc c'est une situation qui est affligeante, c'est une situation moralement qui grave et ça provoque la consternation. Et la mort dans l'âme. Ok, maintenant, notre sonneur, c'est lui. On vient sous fait, yo. Et rencontre ça. Est-ce que c'est membre conseil, yo? Et trois membres conseil, yo, ou dit Gilles, Emmanuel Vertilaire, Smith Augustin. Et est-ce que c'est lui-même qui t'a demandé pour faire rencontre ça au cours de laquelle Vingain m'a répété deux membres de paiement ça, a fait 100 millions de gouttes là, ou bien c'est Raoul Pierre-Louis, président conseil BNCA, parce que l'a fait démarche pour le rester dans poste li, et il t'a demandé pour le rencontrer et toi monsieur. Non, la rencontre a été sollicitée par les conseillers. Comprenez bien madame Bonhomme. Si nous suivons l'actualité en d'un pays, c'est que le conseiller présidentiel n'a pas à premier essayer une question de demander l'argent. Parce qu'ils ont considéré la transition comme étant une banque à dévaliser en toute impunité. Rappelez-vous bien, dès la première entrée du conseil présidentiel, nous fonctionnons au Palais national. L'encore dans l'argent qui est destiné au service d'intelligence à la nationale. Première situation de détournement de fonds publics, les 27 millions de goudes qui ont été attachés au service d'intelligence du palais national, ont été séparés, ont été divisés par nos conseillers, donc ça t'a dit, de chaque jeune entre 2 et 3 millions de goudes. Je voudrais certainement souligné pour vous. Même si comme service d'intelligence planine en palais national, même si on ne demande pas de rapport détaillé sur l'utilisation de ce fonds, je n'ai pas dit qu'il faut mettre pour un rapport pour dire mais comment l'argent est dépensé, mais comment dépense la fait faite, mais qui m'a nous touché, qui leader politique ou te baille l'argent, qui journaliste ou te baille comme, qui m'a dans le quartier populaire. Côté l'argent, ces informations ne sont pas demandées, ne sont pas nécessaires, parce qu'il s'agit des informations qui touchent la sécurité nationale. Ou pas besoin d'un rapport sur cette question. Mais l'argent est destiné au service d'intelligence. Le fait qu'on prenne ou empocher, ça constitue un pas de détournement de fonds. Et c'est depuis les stars, l'action publique aurait dû être mise en mouvement contre les conseillers parce que c'est un cas de détournement de fonds publics qui est lié.
Maintenant qu'on y est là, sous question ça même, Madame Bonhomme, Josué Pierre-Louis, Maître Josué Pierre-Louis, ancien secrétaire général du Palais National, avait adressé une lettre au conseiller présidentiel pour dire au passant son cas de détournement de fonds publics et autres cas dans lesquels ils ont été pleinement impliqués. Nous avons même un mois et nous avons investi en fonction. Cette lettre existe. Il faut demander à Maître Josué Pierre-Louis de rendre publique cette lettre. Cette lettre existe. Il faut demander au conseiller du conseil présidentiel de rendre publique cette lettre. Ça veut dire que ce n'est pas le premier cas de corruption. Deuxième cas de corruption. Dans le micro, Maître Samuel Madison font déclaration pour le dire, poste ministre dans le ministère agriculture et vannoté. Là, il y a tout un dossier de corruption. Il y a tout un dossier de détournement de fonds publics. Là, il faut appel à la compétence du comité du gouvernement, M. Lionel Bougrin, qui sont magistrats extrêmement compétents, extrêmement honnêtes, extrêmement brillants. Et là, m'a parlé de compétence du comité du gouvernement de Port-au-Prince, M. Lionel Bougrin, m'a parlé de compétence d'abord à l'IA-Linfique. Donc, il y a tout un dossier qui est disponible. Mm-hmm. Et on n'a pas besoin de l'ULCC à ça de là. Donc, l'action publique doit être mise en mouvement parce qu'il s'agit du bien commun. C'est l'administration publique qui est victime de corruption. Et à ce titre-là, l'action publique doit être mise en mouvement. Maître Sonia Saint-Louis, vous avez fait des rappels et vous avez rappelé là de dossiers que le grand public là, il est au courant de vous déjà. Mais en tant que avocat, Maître Raoul Pierre-Louis, président conseil Bernard Sabatmando, pour nous, et moi-même, j'ai souhaité des précisions, des détails, nous t'attendons là, sous affaire 100 millions de gouttes là. Ou dit que c'est lors d'une rencontre entre M. Pierre-Louis et trois membres CPA que ça vient dans discussion dans conversation on commence et par là parce que matin nous besoin explication sur ça qui passé véritablement. OK. Madame Bonhomme, il y a eu une rencontre. Bon, rencontre avec monsieur Raoul Pierre-Louis et trois conseillers. Qui bon rencontre ça a été fait? Rencontre là je ne sais pas côté le défait exactement, mais je rapporte ce qui a été fait, parce qu'il y a une lettre qui a été adressée au Premier ministre Gary Conille, et j'avais participé à la rédaction de cette lettre. Donc j'ai les informations. L'information, ça, il y a une lettre là, et je crois que la lettre va être rendue publique. Donc il y avait une rencontre qui était faite, ça qui est certain, ce n'est pas le lieu de la rencontre, mais la rencontre a été faite. Et au cours de laquelle ils ont exigé avec président à président Raoul Pierre-Louis pour lui garder pour lui le global 100 millions de gouttes. C'était la condition nécessaire pour le garder pour lui. Et la rencontre a été faite et questions ont été discutées. Et bien, fait de nous recevoir à la demande de conseiller. Et par la suite, cette question a été adressée. Il y avait une rencontre qui était faite entre Raoul Pierre-Louis et le Premier ministre Gary Conille. Et dans le compte ça, il racontait au Premier ministre tout ça qui était dit dans le compte qui était bien entre lui-même avec conseiller présidentiel. Et maintenant, lettre qui rapporte, qui écrit, c'est d'abord une lettre rapport. Côté, il rappelait une fois plus, il confirmait une fois pour toutes. Ça a été dit avec le Premier ministre. Il dit que ça d'abord, c'est une tentative, son tentative de perversion et de corruption. Et son manque d'égal lié tout, son menace liée à intégrité professionnelle et à intégrité morale. Le fait que le conseiller a adressé et qu'il a demandé pour le bail 100 millions de gouttes. Dans tête conseiller, ça veut dire
C'est comme si son président qui pas honnête. C'est comme si son président qui pas gain intégrité. Ça veut dire comment pour conseiller ça fait adresser avec président conseil là à moins que vous pensez dans tête yo pendant tout temps président li fait comme président conseil d'administration BNC donc c'est mettez t'a mettez à ça les finances donc l'argent et des contribuables en BNC pour du moins li pensait que monsieur qui arrivé là et puis naturel dans BNC et puis bon pour effort qui fait ça une nouvelle et puis il prend 100 millions de goudes et puis il baille. OK mais son salut son bail capé et bouilli là depuis quelques jours et il éclaté en quelque sorte on regarde qui le bail a commencé et à partir du qui moment et ça décidé client là en l'occurrence Raoul Pierre-Louis et informé et premier ministre Gary Conny de sac passé de capable de pression l'a subi de trois membres et CPE. Exactement c'est parce que Bagala est dans une situation intenable. Intenable parce qu'il y a des menaces qui t'a proféré à partir du refus du président du conseil d'administration pour lui faire droit à la demande des conseillers, il y a des menaces. Il y a des menaces qui t'a fait contre l'intégrité physique président, mais contre la vie familiale qui en Haïti qui avait avec elle. Et dans ce sens-là, il était trouvé opportun, non seulement pour dénoncer publiquement et demander conseiller Yoffel, mais pour demander au premier ministre-là pour prendre des mesures qui sont nécessaires pour assurer sécurité ni lui-même ni famille parce qu'il est en danger de mort. Nous avons tracé de menaces à eux. Menaces à eux, c'est une, deux ou bien tous les trois membres CPE et qui t'a fait. Il y a des échanges qui ont été faits par WhatsApp. Ok. Donc j'ai ces échanges et c'est la raison pour laquelle dans la correspondance là, Raoul Pierre-Louis dit qu'il est disponible pour le premier ministre. Il était à la disposition du premier ministre pour fournir toutes les informations utiles et nécessaires, mais à la disposition aussi de la justice haïtienne. Donc, pour le bal, toute information qui est utile et nécessaire. Maintenant, Raoul Pierre-Louis, c'est un grand commis de l'État. Il y a un supérieur hiérarchique. Il y a la Banque centrale qui sous-tête lui. Il y a le premier ministre qui sous-tête lui. Mais bien le conseil présidentiel qui sous-tête lui. Donc, il faut réagir. Il ne peut pas ne pas réagir. Parce que la question, elle est publique. Parce que discussion sur la débat, ça l'a fait dans toute façon, dans tous les salons. On a dit. Donc, les autorités publiques ne peuvent pas ne pas réagir sur cette question. Si le premier ministre ne réagit pas, quand on peut faire à lui, mais s'il ne réagit pas, il est en situation de complicité avec les membres du conseil présidentiel. Ce n'est pas en situation qu'il peut pas réagir. Il doit nécessairement réagir. Madame Bonhomme, comprenez-vous pas. La corruption sont mal. C'est le mal qui mettait Haïti dans l'état ça. Et ne pas réagir, la confirmer que ça, tout le monde connaît en Haïti, le seul consensus que nous ayons réussi en Haïti au cours de ces 30 dernières années, c'est autour de la corruption et de la médiocrité suprême et que nous faisons en Haïti. Nous vivons dans une situation de désolation dans le pays à Botswana. Parce que la corruption a hypothéqué le développement de ce pays. La corruption a hypothéqué l'avenir de la jeunesse, l'avenir de la génération future. C'est parce que l'argent qui était destiné à la construction des routes, à la construction des ponts, à la construction des universités, des écoles publiques, des hôpitaux pour servir le peuple, ces agents ont été détournés par nos responsables publics. Donc, il faut mettre fin à cette situation, parce que cette situation, ça, c'est une calamité.
et qui va investir dans un pays où règne la violence et la corruption. Comment on a fait développement économique dans un pays? Comment on a fait croissance économique? Comment on a créé des emplois décents pour la jeunesse et pour le peuple? Comment on a créé des opportunités dans le pays pour nous faire haïtiens rester dans le pays si nous ne pas combattre la corruption dans le pays? Donc si c'est la corruption des petits, donc je vais aller en prison, je vais aller en pénitentiaire nationale. Maintenant, ce sont les grands qui font la corruption dans ce pays et qui vont entendre la fête sur le dos du peuple. Bien sûr, les autorités publiques peuvent ne pas réagir. Mais la société haïtienne, l'entièreté, ne peut pas accorder une prime à l'indéfense. La société haïtienne ne peut pas accorder une prime au vol. La société haïtienne ne peut pas accorder une prime à la corruption. Donc, il faut la combattre. Et ceux qui commettent des actes de corruption dans ce pays doivent être poursuivis parce que la corruption dans ce pays a vraiment mal. Mais Maître Sonnet Saint-Louis, on dit que le Premier ministre Gary Conin lui doit réagir en garde. Et qui le vient le gagner au regard du droit sur le plan politique? Qui sale qu'a fait, qui sale doit faire face à la situation ça? Parce qu'on a parlé de membres CP, conseil présidentiel. C'est trois mondes, trois personnalités qui participent dans la nomination. Écoutez, Madame Bonhomme, même si nous sommes, nous pas non situation constitutionnelle, parce que la constitution n'y est pas, depuis la mort brutale, l'assassinat brutal du président Jovenel Moïse, nous nous sommes trouvés dans une situation d'art constitutionnel. Et d'accord, Maître Docteur Bernard Gousset a dit, nous sommes dans un désert constitutionnel. Mais nous avons un exécutif bicéphale, même si mon exécutif qu'on est là, on a dit qu'il y a 8 têtes et 2 pieds. Mais l'exécutif l'est partagé entre le conseil présidentiel qui joue le rôle de la présidence. Parce que la présidence, aujourd'hui, c'est une unité. Il est assuré par 7 conseillers. C'est la présidence, c'est l'institution. Donc c'est la formule politique que nous avons adoptée. Mais dans l'autre branche du pouvoir exécutif encore, c'est le premier ministre. Les fonctions du premier ministre ne sont pas celles du président de la République. Constitution a dit ça. Donc les fonctions du président de la République ne peuvent pas être transférées au premier ministre et vice-versa. Donc le conseil présidentiel n'est pas le supérieur hiérarchique du premier ministre. Ou bon exécutif qui est de 4e le président de la République, qui est le chef de l'État, et puis le premier ministre qui dirige l'action du gouvernement. Donc, c'est vrai, le premier ministre avait reçu son autorité du conseil présidentiel, mais il n'est pas son supérieur hiérarchique. Au point que, il n'y a pas qu'à révoquer l'autre, dans la situation qu'il a vive aujourd'hui. La lettre étant adressée au conseil au premier ministre Gary Conin. Maintenant, le premier ministre Gary Conin doit nécessairement rencontrer les membres du conseil présidentiel pour lui voici la situation parce qu'il y a trois conseillers qui mandent. Un haut responsable, un haut fonctionnaire de l'État, il a demandé 100 millions de poudres. C'est un cas avéré de corruption. C'est une perversion. Et à ce moment-là, le conseil présidentiel n'a qu'à faire la solidarité dans le mal. Il doit réagir. Et si le conseil présidentiel ne réagit pas, et que le premier ministre n'est pas exigé que le conseil présidentiel n'est pas réagi, et qu'il continue sa bonne collaboration,
communication avec le conseil présidentiel, ils se retrouvent tous en situation de complicité de corruption. Et en ce moment-là, comme vous faites Bernard de Sepadou, ils doivent tous partir ensemble. Et voilà, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Moi, dis à mes amis, proche pour qu'on va abonner à la chaîne. Et puis, pas oublier ben, nos petits pouces bleus pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!